Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la présentation d'un petit trifolder. Donc dans des couleurs un petit peu qui sont pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, mais que j'aime beaucoup. Dans ces tons de vert un petit peu vert kaki. Donc le voici. Je vais vous présenter l'intérieur. Donc il est fermé avec un petit ruban d'organza vert kaki et avec une petite épingle goutte et une petite breloque, c'est une petite couronne. Donc je vous montre l'intérieur. Donc le voici en entier, enfin la première partie. Là il y a deux pochettes, deux petites pochette pour mettre des petites cartes pour faire du journaling qu'on glisse dessous. Ici, voilà. Là, il y a une petite pochette dans laquelle il y a un tag. Voilà, ici il y a une pochette avec une enveloppe dans laquelle il y a des petites étiquettes. Là, et également une carte pour aussi faire du journaling. Évidemment, tout est imprimé, une impression de thé en café. Là. Ensuite, il y a une page. Alors là, il y a deux tags. C'est un peu le thème Tour Eiffel, hein, Paris. Là. Dans cette pochette en coin, il y a un carnet. Là, il n'y a que des pages. Hein. C'est vraiment pour écrire à l'intérieur, pour mettre des petits tickets, des petites choses. Mais c'est surtout pour écrire, pour faire du journaling. Donc, il y a ce petit carnet qui se glisse dans cette pochette. Puis encore une pochette avec un tag. Et il y a aussi une petite pochette en coin ici. Là. Et voilà. Donc je me suis bien amusée à faire ce petit trifolder. Donc voilà, hop, et ici il y a aussi une petite pochette avec encore une petite carte pour faire du journaling. Il se glisse dans la petite pochette. Il se referme comme ceci. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on va se retrouver très bientôt, je pense, d'ici quelques jours, parce que j'ai encore deux vidéos à vous proposer. Donc on se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde.